Ah, les patates. Sautées, en purée, frites, bouillies, en ragoût. C'est bon les patates. Il nous faudrait, c'est des bonnes patates. C'est quoi des patates? Pommes de terre, idiot. En bouillie, en purée, en rondelles dans un ragoût. De bonnes grosses frites dans l'huile. Alors, bah oui, c'est bon les patates, mais il faut les faire pousser. Donc, quand vous avez de l'espace, et ben comme ici, et ben vous faites pousser les patates dehors. Bon, sinon, il y a aussi la possibilité de faire pousser les patates dans des sacs, comme ça. Je vous l'envoie vers la vidéo où j'avais fait pousser dans des sacs. Mais quelquefois, vous avez encore moins d'espace et puis bah, vous n'avez pas de quoi mettre des sacs pour faire pousser les patates. Alors bah là, j'ai essayé quelque chose, des micro-patates. Alors, bah oui, des patates dans des tout petits pots de fleurs. Ah oui, en fait, pourquoi ne pas faire des patates directement dans des petits pots? Bon, évidemment, il ne faudra pas vous attendre à récolter 200 kilos de patates par pied, hein, ça c'est évident. Mais histoire de vous amuser un petit peu et puis d'occuper un petit espace que vous avez sur le bord de la fenêtre, amusez-vous donc à faire des patates comme ça dans des pots. Là, c'est tout simple, hein. Un cul de bouteille, un tout petit peu de terre. Pas d'entretien à part mettre un petit peu d'eau de temps en temps et puis voilà, c'est tout. Bon, de quoi je suis parti? Bah, tout simplement d'une patate qui commençait à germer mais que j'ai mangée et en fait j'ai tout simplement coupé le petit bout qui commençait à germer, planté ça, mangé le reste et donc tout simplement mis ça dans mon petit. Et puis bah, au bout de quelques mois, et bah, voilà, ça nous donne ça. Alors, bah oui, évidemment, hein, c'est pas des champs entiers, mais voilà, on a quand même quelques petites patates ici. Et puis, le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Et puis, au lieu de jeter votre épluchure de patates avec les germes, bah, vous les plantez dans la terre, vous en occupez pas. Les gamins, vous les faites arroser une fois de temps en temps, mettre un petit peu d'eau dessus. Ça demande rien, ça vous coûte rien, et puis ça fait toujours plaisir de manger sa production, non? Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!